Fils, qui est l'invité de l'Instant Politique avec Gilles Borenstein, France Info, 11h22. Pardon pour le retard, messieurs. Hugo Bernalicis, l'invité de l'Instant Politique. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise du Nord, ça tombe bien si je puis dire. Perquisition en ce moment, donc si j'ai bien compris, à la fois au siège de la France Insoumise et au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Oui, aussi au siège du parti de gauche et chez un certain nombre de militants et d'anciens assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un dispositif d'ampleur, en fait des moyens qui sont assez exceptionnels, extraordinaires. Je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de policiers, de magistrats mobilisés pour une opération de la sorte. Donc ce n'est pas une petite opération. On voit bien qu'il y a une volonté de démonstration judiciaire, policière en la matière. Ce qui est un peu étrange le jour même de la nomination du nouveau gouvernement. Il n'y a pas de volonté de démonstration avec la vidéo filmée justement par Jean-Luc Mélenchon aussi. On parle d'une posture populiste, comme disait Stéphane Rosa, ce politologue. Vous êtes d'accord ou pas avec lui? Si vous voulez, en tout cas. Ce sont des fonctionnaires, hein, ce ne sont pas des politiques qui sont au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Non mais attendez, parce que ce sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des politiques, sauf qu'ils obéissent à des ordres, on est bien d'accord. Les procureurs ne sont pas indépendants. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a rappelé lui-même, il ne souhaite pas que les procureurs soient indépendants, puisqu'il a lui-même rayé les noms et nommé ceux qu'il voulait bien nommer aux différents postes en lien avec Mme Belloubet. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lien direct ici, puisque nous ne sommes que dans la phase de l'enquête préliminaire, où le procureur, justement, a tous les pouvoirs, et où il n'y a pas encore de juge d'instruction indépendant qui est nommé et désigné. C'est ça le problème. C'est qu'ici, on voit bien qu'en plus, les faits qui seraient reprochés à la France Insoumise ne semblent même pas fondés. Vous avez une plainte sur les histoires d'assistants parlementaires qui est une dénonciation dont la principale. La justice le décidera. La justice le décidera. Et pourquoi c'est pas une convocation normale? Pourquoi c'est pas. Pourquoi ça arrive comme ça un matin? En plus, il est la rare. Dénonciation de. Je connais peu de justiciers qui estime que les plaintes contre eux sont fondées. Attendez, c'est pas à vous de décider. C'est pas à vous, membre de la France Insoumise, de décider si les plaintes sont fondées ou pas. Mon appréciation sur bien la situation. Sûr. Non, mais vous dites elles ne sont pas fondées. C'est à la justice de le faire. Justement, il est logique que la justice. Je me demande de le bien ce qu'ils vont bien pouvoir trouver, si c'est de déstabiliser le mouvement et justement de dire de pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans les gros titres la France Insoumise perquisitionnée, etc. C'est une justice. Croire que pour vous c'est une justice politique. Oui, là tout à fait. On la aux ordres. C'est une justice aux ordres du gouvernement. Oui. Oui, clairement, parce que dans la situation identique, vous savez qu'Emmanuel Macron, parce qu'il s'agit des comptes de campagne, là, en l'occurrence. Hein, des assistants parlementaires. Oui. Du Parlement européen. Vous savez qu'en la matière, Emmanuel Macron a été mis en cause sur des ristournes qui sont, elles, avérées, pour le coup, sur des infractions au code électoral qui sont avérées. Est-ce qu'il y a une perquisition chez Emmanuel Macron, chez ses proches, chez ses amis, etc.? Non, rien du tout. Rien mais du il y tout. En a chez Marine Vous voyez Le Pen. Bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. Oui, mais chez Marine Le Pen est accusée. Nicolas Sarkozy a des affaires avec la justice. Dans tous les cas, c'est de la justice politique. Ce qui vous concerne, vous. Non, il y a une part de justice politique, y compris chez Nicolas Sarkozy, chez Marine Le Pen. Attendez, les faits incriminés, excusez-moi, c'est pas la même chose. Faire une guerre en Libye pour financer sa campagne électorale, c'est pas exactement la même chose. Je voudrais qu'on soit clair. Vous accusez le gouvernement d'instrumentaliser la justice contre tous ses adversaires politiques. En tout cas, une bonne partie substantielle de ses adversaires politiques. C'est pas une démarche un peu populiste, ça, justement, Hugo? Mais qu'est-ce que vous appelez une démarche populiste? D'accuser systématiquement la justice dès lors qu'elle entame une démarche qui ne plaît pas. J'accuse pas systématiquement la politique, justement, de l'accuser d'être partisane. Détrompez-vous. Loin s'en faut pour moi d'accuser la justice, puisque en plus, il y a un projet de loi. Non. J'accuse le politique d'instrumentaliser la justice. C'est pas la justice en soi, parce que je vous ai parlé d'histoire du procureur. Mais ça veut dire. Je vous ai parlé d'histoire du parce que. Vous accusez le gouvernement d'intervenir et là vous accusez clairement les magistrats d'être aux ordres. Gouvernement donne des ordres et les magistrats y répondent. Mais ils ne sont pas indépendants, les procureurs, c'est leur job. Les procureurs, mais les magistrats qui décident le sont indépendants. On va parler très sérieusement. Il n'y a pas de juge d'instruction dans l'affaire pour l'instant, puisqu'elle est encore en phase de l'enquête préliminaire. Quand il y aura une information judiciaire, on pourra avoir accès au dossier. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que par exemple, je vous donne un exemple. En matière de terrorisme, vous savez, on a autorisé les visites domiciliaires, qui est l'équivalent de ce qui se fait en termes de perquisition. Vous savez qu'en matière de terrorisme, vous avez le droit à avoir un avocat qui est présent à vos côtés. Là, on n'a pas le droit. Je vous donne un exemple. Voilà. Alors, est-ce que c'est acceptable? Non. Et c'est pourquoi, dans le projet de loi sur la justice à venir, nous avons déjà travaillé dessus, puisque c'est déjà plusieurs mois que le texte est déposé, prévu à ce qu'on limite les pouvoirs du procureur de la République et renforcer celui du juge d'instruction qui, lui, est indépendant. On prévoit de faire des amendements pour autoriser la présence de l'avocat dans les perquisitions. Et je pense qu'on est logique avec à la fois notre comportement là vis-à-vis de la situation et notre idée politique de ce que devrait être la justice. Dans les vidéos qu'on a vues, Jean-Luc Mélenchon appelle à la désobéissance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de protester, de se réunir là devant le siège de la France Insoumise. Je vais d'ailleurs les rejoindre après. Il a dit accrochez-vous au meuble.
Oui, c'est une image. C'est une image. Bah oui, de toute façon, les policiers ne vont pas prendre les meubles. Donc c'est mais vous appelez à la désobéissance civile d'une certaine manière. Bah écoutez, on le fait dans plein de matières, la désobéissance civile. Moi-même, j'ai participé à des actions, vous savez, d'occupation de magasins Apple avec attaque, et ce n'était pas dans le cadre strictement légal, c'est des opérations de désobéissance civile. Oui, quand ça nous semble juste et fondé, nous appelons à la désobéissance. Voilà. Et honnêtement, à la fois la procédure utilisée, la manière de faire, tout ça est profondément injuste. Il y a d'autres moyens juridiques pour arriver au même résultat. Parce que, à quoi ça sert de faire, honnêtement, hein, à 7h du matin, pour des affaires qui peuvent remonter, la dénonciation des assistants parlementaires par une élue Front National qui s'est retirée après de ces dénonciations par ailleurs, ça date de, je crois, il y a 2 ans, voire 2 ans et demi. D'accord ? Pourquoi 2 ans et demi plus tard, à 7h du matin, il faut venir pour chercher les documents ? Enfin, c'est quoi la plus-value ? Un mot sur le remaniement. Vous êtes le spécialiste de la sécurité à la France Insoumise. Le oui. Binôme, Christophe Castaner, Christophe Nunez pour le... Laurent Nunez, pardon. Pour la sécurité intérieure, ça vous convient? Ça vous rassure? Vous condamnez? Non, ça me rassure pas du tout. Je craignais que ce soit Christophe Castaner qui soit à l'intérieur. Pour moi, je m'étais dit, finalement, il devrait mettre au moins quelqu'un qui a une autorité naturelle au ministère de l'Intérieur, qui est déjà passé par là à un moment donné. Ce qui n'est pas le cas de Christophe Castaner. Non, ce qui n'est pas le cas de Christophe Castaner. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils mettent à ses côtés Laurent Nunez, qui, lui, n'est pas un politique. Qui est le patron de la DGSI. Exactement, qui est ancien préfet, qui est du corps électoral, qui est un administrateur civil. Donc voilà, on voit bien que, de toute façon, il est trop peu armé, finalement, Christophe Castaner, pour être ministre. J'entendais même dans les couloirs de l'Assemblée nationale, en échangeant avec des collègues de la majorité, vous savez qu'à un moment donné, Christophe Castaner, le nom avait été posé et qu'il avait lui-même dit « Non, j'ai pas la carrure, j'ai pas les épaules pour être ministre ». C'est quand même ça qu'il se disait. Et on le retrouve à la fin, ministre de l'Intérieur. Moi, je suis triste pour mon ministère, parce que j'étais au ministère de l'Intérieur avant d'être élu. Voilà, je suis triste pour mon ministère de me dire que ça va être encore instrumentalisé par un proche du président de la République qui finalement n'a aucune vision de la sécurité et de la sûreté. J'avais même débattu avec lui pendant la campagne présidentielle en tant que responsable de la thématique sécurité pour la France Insoumise. Lui avait été envoyé parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était disposé à le faire. Voilà, et le voilà ministre de l'Intérieur. Ça me désole, vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment, Hugo Bernalicis, d'avoir été l'invité de l'Instant Politique avec Gilles Bernstein. 9h30, 13h se poursuit. Édition.